Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. À la différence de la vidéo annonce, cette fois-ci vous voyez pas ma tête. Parce que j'ai pas vraiment le temps de m'enregistrer correctement entre guillemets. Je voulais vous remercier pour les 1000 vues. Parce que pour moi c'est quelque chose d'important, les 1000 vues aujourd'hui. Dans le sens où ça y est, en fait on a atteint pour moi un palier qui est énorme, que j'ai jamais atteint de ma vie. C'est-à-dire le palier des 1000 vues. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, ben, j'ai une visibilité un peu plus élevée, dans le sens où aujourd'hui, je fais pas les 3-4 vues que je faisais avant, même si c'est le cas pour certaines vidéos, où vraiment ça prend quand même du temps pour moi de, voilà, de gagner une certaine audience. Aujourd'hui, j'ai évolué et je commence à gagner un petit peu de visibilité en fait sur Internet. Et ça, c'est un rêve que j'ai toujours voulu avoir. Alors, je pète pas non plus les 100 000 vues par vidéo, comme beaucoup de youtubeurs, mais c'est quand même énorme pour quelqu'un qui, comme moi, n'avait jamais eu le courage au début de parler ou même de me montrer en fait dans les vidéos. Pour moi, c'est un nouveau palier. C'est un palier important. C'est un palier énorme. C'est un palier que j'avais jamais atteint de ma vie. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous. Moi, je fais seulement ce qui me plaît. Je fais les vidéos qui me plaisent et je crée et j'enregistre ce que moi je veux. Mais je me mets aussi à la place de celui qui regarderait la vidéo en me disant est-ce que ça vous plaira à vous? Pour ça que voilà, je fais pas non plus un rythme énorme de vidéos, c'est que je me mets aussi à votre place. Dans le sens où moi aussi, je suis une vieweuse. Je regarde beaucoup de vidéos sur Internet, donc je me mets aussi à votre place. Et je me dis est-ce que ça vous plairait? Mais parfois, je poste aussi des vidéos un peu sur un coup de tête. Faut savoir que POV Genuine Humor, ça a été fait un peu sur un coup de tête. À la base, ça ne devait même pas exister. Mais j'ai vu plein de vidéos qui m'ont fait marrer, qui avaient une grosse vibe énergie. Et je me suis dit, vas-y, One Life, c'est l'été. On arrive même presque à l'été. Autant essayer de créer quelque chose de neuf. Une émission qui serait marrant et qui pourrait plaire à tout le monde. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier tout le monde ici. Parce que c'est grâce à vous qu'on a atteint ce palier. Donc voilà, j'espère que les vidéos que je continuerai de créer vous plairont. Et voilà, je continuerai à alimenter la chaîne de contenu vidéo ludique une fois toutes les 2 semaines maximum. Sauf si j'ai les cours et là, de toute façon, je tiendrai au courant. D'ailleurs, le premier épisode d'Under the Shell, le texte est enfin terminé. Parce qu'en fait, j'avais déjà des textes avant. Mais au final, je me rendais compte que ça ne me plaisait pas. Donc là, juste pour vous dire, ce sera très certainement sur Fester Quest, un jeu dont a effectivement, pour ceux qui le savent, déjà parlé le joueur du grenier. Mais je tenais quand même à en parler parce que c'est pas parce que lui en a parlé que moi j'aurais pas le droit d'en parler, voilà. Et puis de toute façon, ça remonte, donc il y a plein de choses à dire. Moi j'ai un point de vue différent quand il s'agit du jeu. Et donc voilà, j'ai envie quand même de vous proposer une vidéo sur Fester Quest qui puisse vous satisfaire. Donc voilà, j'espère que quand elle arrivera, elle vous plaira. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, pour l'épisode de POV Genuine Humor. Ou peut-être pas la semaine prochaine, tant qu'on le fait plutôt dans quelques jours, puisqu'il est bientôt prêt. Et voilà. Il y aura peut-être une petite annonce en début de vidéo par rapport à cet épisode-là. Et nous voilà. J'espère qu'il vous plaira quand il sera uploadé. Et passez une excellente journée pour... ou même une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous la regardez. Et si vous la regardez quand vous êtes en cours, bah déjà c'est pas bien. Vous quittez votre téléphone et vous bossez. Et si vous êtes en pause, bon bah, tant pis. Et en attendant, prenez soin de vous. Bossez bien si vous êtes en train de bosser. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode de POV Jason Humor, qui sera l'épisode spécial 40 abonnés. Peace out.